Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Avant que les vidéos commencent les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu car beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Vraiment abonnez-vous et merci qui se feront. Alors les gars, aujourd'hui pourquoi on se retrouve dans le camp d'entraînement. Tout simplement parce que je vais commencer une nouvelle série. Je vais reprendre d'ailleurs sérieusement la chaîne pour de vrai cette fois. Je compte faire 2-3 vidéos par semaine pour pas m'en lasser. Et tout simplement, toutes les semaines il y aura un épisode du nouveau compte, tout simplement pour redécouvrir un peu les arènes tranquillement, vous présenter des decks et puis voilà. J'espère que le concept vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça me ferait sans plaisir. Et pour tous ceux qui veulent me suivre, mes réseaux sont à l'écran actuellement en bas à gauche. Il y a mon Insta pour me contacter, c'est là où je suis le plus actif. Si vous avez des idées pseudo, n'hésitez pas, enfin des jeux de mots ou n'importe quoi, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires. Et moi j'ai pris ce pseudo en attendant, ce qui signifie tout simplement Breku en japonais je crois. Et puis voilà, donc pour l'instant on va faire avec ce deck, je vais rien améliorer, je vais garder mon or et puis on verra ce que ça donne dans les prochaines dans les prochains épisodes. On va choisir un deck qui me plaît, qui est un peu intermeta. Et puis on commence simplement dans la première game pour Kevin. Et en vrai c'est une vidéo assez chill hein. Là il y a pas de tryhard, enfin j'ai pas besoin de tryhard à ce niveau là. Et ça peut être un guide aussi pour débutants évidemment, donc si vous connaissez des gens qui veulent tester Clash Royale et qui ont besoin de tuto, n'hésitez pas à leur montrer cette vidéo. Je vais expliquer à chaque nouvelle arène les cartes à quoi elles servent, genre. Bah, tout simplement, et comment les jouer. Et puis, je pense que c'est pas mal. Donc, là, j'ai créé un deck avec que les cartes que j'ai, évidemment. C'est. Bah, j'ai pas le choix en fait. Donc. En vrai, ça peut être... En vrai, je pense qu'en tout cas, la série peut être cool. Alors, d'ailleurs, en parlant de ça. Pour ceux qui connaissent déjà, je pense que c'est un peu ennuyant, mais bon. Alors les gars, voilà, ça c'est un peu le deck de base. Le géant qui est un tank. En gros, il sert à protéger les troupes. La mousquetaire, c'est une carte défensive, comme les archers et les gargouilles. Les mini PK et le chevalier. Donc ça c'est chevalier et ça c'est mini PK qui servent à tanker en général ou à DPS. Et les sœurs évidemment qui servent à tout simplement détruire les troupes. Ou à terminer les tours que uniquement si elles peuvent les terminer. Donc comment on fait pour voir les dégâts que les troupes font? Faut rester appuyé sur une carte. Et là regardez, ça s'affiche. Donc à gauche, c'est les dégâts que le sort fait sur les troupes. Et à droite, c'est les dégâts que le sort fait sur la tour tour de princesse. Donc tour de princesse c'est ça et tour du roi c'est ça. Voilà. Je pense que je peux t'expliquer. Avec ce compte, je vais tout simplement créer un clan pour ceux qui veulent le rejoindre. Et ça peut être cool, un petit clan communautaire. J'aime bien créer une petite communauté, c'est ce que sympa. Comme on approche le millier d'abonnés là, ça peut être sympathique, je pense. Hop. Et il a hâte d'avoir un minimum joué bien, ça va être un petit smurf. Évidemment. D'ailleurs, dites-moi aussi si vous voulez que je fasse des vidéos sur les équilibrages. Je l'aurai évidemment pas en tout premier la vidéo, mais c'est juste pour donner mon point de vue, ce que je pense et tout ça quoi. Puis voilà, donc là on écoute Perludo 89. Je pense que je vais faire 2-3 games et puis voilà, on va monter le compte petit à petit. Il y aura pas mal d'épisodes. Ça peut être sympathique, je pense. Je pense que quand même, je montrerai de temps en temps en off. Parce que bon, je pense que sinon, ça va genre indéfiniment. Parce que je pense que je vais faire seulement 3 games par vidéo. Et puis voilà. Ok, bon, pour l'instant, notre ami
A l'air de savoir un petit peu jouer, c'est un peu relou. Il y a beaucoup qui sont dans le chat hein, contre la mousquetaire. Avec le petit PK ici. Paf. Le petit géant pour les protéger. Ça, d'ailleurs, ça fonctionne principal, hein, forcément. Là, je peux mettre peut-être pré-shot des archers, ou why not. Des archers. Supplément. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Enfin, plutôt bien. On verra. On verra comment ça se passe. D'ailleurs, dites-moi si c'est le deck que je. Enfin, un deck que j'utilise. Bah, pour la série, en fait, simplement. Merde, que je commence à monter les cartes du deck. Bon, je vais le feu, je peux les monter. Hop. Et je pense qu'il y a mettre ses. S'il y a plus, il n'y a pas. Un autre chevalier. On est du fil à retordre, hein, le monsieur. Bon, là, on va juste faire un gros push et on va juste prendre la tête, je pense. Hop, allez, hop, c'est parti. C'est le moment de savoir s'il se défend. Ça pourrait être drôle, un jour, un défi implanté dans le jeu où il y a seulement les cartes du départ. Genre un 1, un 2, un 3. Avec des faits et points, ça serait cool en vrai. Même si je crois qu'il a déjà été fait par le passé. Ok, bon, la voiture de la poche, ça fait pas mal, je pense. En fait, son mini PK, il défonce le mien, c'est un peu chiant. Il a trop de flingues, là, genre. Vite aller mettre ça, les gars niveau 1 qui servent pas à grand chose. Est-ce que ça, vous vous rendez compte que je suis en train de traverser une game en arène 1 à 30 trophées. Ok, il y a tout ce qui est bien fait de sa part. On va devoir défendre par contre. On va mettre ça là, hop. Je n'arrive pas à gratter, hein. C'est terrifiant. Évidemment mettre les armes. Oh, les belles flèches là. Les belles flèches. En fait, on fait une boule de feu pour peut-être aller gratter avec le géant. Ok, là on a une très très bonne boule de feu de notre part. Ok, le géant qui a mis des coups, c'est plutôt pas mal. On va évidemment aller remettre un géant ici pour aller défaut tout ça. Ok, malheureusement pour lui. Sa boule de feu, nous on spam. Ok, on a encore de magnifiques flèches ici. Et là il est dans la sauce. Là il est dans la sauce. Et oui, on va aller prendre ce tour. Je sais pas si c'est le déterminant, parce que je connais pas les dégâts niveau 1 par contre. Ok, on va aller prendre ce tour. Et ça, c'est beau. Nous avons déjà une game tryhard à 30 trophées. C'est magnifique. MDR. Gros MDR. Ah, attends, on va aller prendre les petites récompenses. Alors tous ceux qui doivent choisir, on prend les gobelins évidemment. Et on va d'ailleurs les mettre dans notre deck. À la place. Du chevalier, je pense. On va améliorer les couleurs parce que c'est vraiment très fort. J'aime bien les cartes qui sont utiles. Moi, j'aime bien jouer un deck géant. Les flèches pour être utiles, le mini PK aussi, je pense. Donc, j'améliore le deck. Les archers, je pense pas m'en servir. Je pense les poils, je pense les changer dès que je pourrais. Et on va passer au niveau 2 et avoir un petit coffre de famille. Alors, attendez, on va regarder ce qu'on a. Chevalier gobelin lent, je pense pas que c'est des cartes que je vais utiliser. Donc on continue tout simplement cette troisième game. Et je pense qu'on va faire 5 épisodes, pas 3, parce que 3 ça me paraît un peu court niveau time. Et puis voilà, sachant que ça devrait aller relativement vite après quand j'aurai des cartes un peu plus améliorées. Ok, alors on va mettre mon scooter. Ok, petite boule de feu malheureusement qu'il faut être sur mon scooter. À partir du mini PK fond du terrain, on va mettre un géant au pont, je pense. Okay. Il y a des dégâts couilles, on va attendre un petit peu avant de mettre les flèches, évidemment. Pour ça prendre un maximum de value. Okay. Et là, on va les one-shot son mini PK. Le mini PK qui est en train de défoncer son chevalier. Et il devra rajouter des archers, ce qui coûte assez cher, on va pas se le cacher. Le géant qui va quand même quasi en prendre la tour, mais avec la boule de feu, on va aller prendre ce tour. Et ça, c'est parfait. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Les gobelins, hop, voilà, pour défendre le géant. On met une petite mousquetaire pour aller aider tout ça. Ok, il a des très bonnes flèches ici. Un mousquetaire qui va permettre de bien dépop ce petit géant.
Hop. Parfait. Et je pense qu'on va partir en push. Paf. Un push 3 couronnes avec des petits airboules puisqu'il n'a plus les flèches. Et malheureusement, il a un nouveau PK. J'ai pas vu le détail. Une PK qui va être vraiment relou. Une PK qui n'a rien pour le jeu, c'est vraiment très chiant comme carton. Les petites archères ici pour les défenseurs. On a les gobelins si besoin. On va les protéger les archères. C'est une carte qu'il faut protéger. Parfait. Excellent. Hop. Ok. Et d'ailleurs, évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai soit directement, soit dans la prochaine vidéo. Et puis voilà. Allez, par géant profond, tout simplement, avec des petits garbouilles. Je vais même me permettre de mettre les pêches, puisque je m'en doutais qu'il allait faire ça. Hop. On va pas prendre 3 couronnes, malheureusement, on va juste prendre 2 couronnes, ce qui est déjà. Enfin, pas une couronne, je veux dire. Donc, on gagne, ça me va. Je m'en fous qu'on prenne les couronnes. On met de la mini PK, on va mettre le géant, tous les archers. Là il est un peu con, là il est un peu teubé. Je me permets d'aller mettre les petites flèches ici. Hop, parfait. On va aller mettre les gobelins en plus. Allez, là on met juste tout au pont puisqu'il n'a plus beaucoup d'élixir. Là il est en rade. Le mini PK qui va permettre d'aller tuer ce chevalier. Le MPK qui va servir pop. Le MPK qui touche à tour et qui va tout simplement aller la prendre. Et on va partir sur un petit 3 couronnes contre Michel. Michel avec une faute d'orthographe, hein, évidemment. Ou pas d'ailleurs, un petit peu comme vraiment comme ça, hein, bah, je sais pas. Ok, on va prendre cette quatrième game, il me semble. Hein. Ah, donc lui n'a pas le temps, très bien. Ok, petit géant fond de bloc aussi. Déjà, c'est une carte que j'apprécie vraiment, énormément. J'aimerais bien essayer de jouer une espèce de géant cycle ou un truc comme ça. Avec l'archer magique et le mini PK. Ok, on a une autre étape très haute. Hop, on a le mini PK évidemment. On va aller mettre les gardes ici pour les snipes. La petite mousquetaire. Hop, voilà, nickel. On met ça. Nous, on continue à mettre les ponts. Et je pense que ça, c'est une game gagnée assez facilement. Et je vais aller créer le plan juste avant cette game d'ailleurs. Enfin, ça, quand j'oublie. Ceux qui veulent le rejoindre, évidemment. Hop. Hop, alors ici on a quoi? Un petit coffre en or. Est-ce qu'on peut améliorer quelque chose dans notre deck? Bon, c'est que les cartes que j'ai pas utilisées, je pense. Donc, parce que moi, le deck, c'est un. Alors, on a géant, mini PK. On va voir Cisne, Zabuche, Archer Magique, Squelette et Chauve-souris, il me semble. Et puis en participant à cette. Ah, non, le clan, bon, le clan, et bah je répète pas. Ah, attends, j'ai pas assez d'or, faut de l'or, je suis con. J'ai pas assez d'or, bon, c'est pas grave. Hop. On est complètement sourd. 1 million. Allez, est-ce qu'on part en jeu en fond map? Ok, c'est un bot. Alors les gars, comment on reconnaît les bots? Ça, je sais qu'on m'a déjà posé la question plusieurs fois. Les bots, ils ont toujours une majuscule au début de leur pseudo. Et ils n'ont pas de clan. Et aussi, bah, ils jouent comme des bots, hein, concrètement. Ça se voit, c'est... Ça se reconnaît, genre. Alors, personne ne joue comme ça, quoi. Concrètement. Ça peut être des free win, enfin, ou quoi que des fois, il y a des gens qui perdent. Mais là, ce serait bien d'essayer de faire. De pas faire de défaite avant les 5000 trophées. Là. Donc, on va déposer ça, mini PK ici. Ok, c'est pas grave. Alors, on va se ranger en fond de map. On a 10 élixirs. Hop. Paf. Petit géant en fond de map. On s'installe, on a le temps. Ok, on met une mousquetaire très haute pour aller à la snipe. Ok,
met ses flèches maintenant, ça sert pas à grand chose, le géant passe devant, et là comme il a fait flèche on bourrine. Comme il a plus ses flèches, on sait qu'il a plus rien pour notre coup, qu'il doit avoir peut-être une boule de feu, il a pu avoir ses hier, il aura peut-être assez pour le mettre au dernier moment, mais s'il essaie de deux fois au dernier moment ici, il pourra pas toucher une boule de feu, en tout cas. Là, petit tour. On va aller prendre cette win contre Mansour, le petit bot. Et puis, je pense que, en vrai, c'est une bonne vidéo. Moi, j'ai kiffé, je pense que je vais kiffer faire série. Ça fait longtemps que je suis pas sans bien arrêter aussi bas. Et on a envie de prendre la cage Goblin que je ne vais absolument pas utiliser. Je vais laisser mes cartes niveau 1. Et puis voilà, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. C'était beaucoup. Ciao, ciao.